بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 27 sur le cours des identités remarquables, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Développer et simplifier 2x au cube moins racine carrée de 2 le tout au carré, 5x à la puissance 4 moins racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré, 4 sur racine carrée de 8 moins 2x à la puissance 6 le tout au carré. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Développant. Et simplifiant. Deux x à la puissance 3 moins racine carrée de 2 le tout carré. Ça vous rappelle quoi? Oui, ça nous rappelle l'identité remarquable numéro 2. A moins b le tout carré, c'est a au carré moins 2ap plus b au carré. Le nombre qui a joué le rôle de a, oui, c'est 2x à la puissance 3. Le nombre qui a joué le rôle de b, oui, c'est racine carrée de 2. Ça donne 2x à la puissance 3 le tout au carré moins 2 fois 2x à la puissance 3 fois racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 au carré. Ça donne quoi? Oui, ça donne 4x à la puissance 6 moins 4x à la puissance 3 racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Maintenant, passons à l'autre exemple. 5x à la puissance 4 moins racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré. Bon, cette expression mathématique nous rappelle, oui, il nous rappelle l'identité remarquable numéro 2. Oui, a moins b le tout au carré est égal, oui, est égal à a au carré moins 2ap plus b au carré. Le nombre qui a joué le rôle de a, bien sûr, c'est 5x à la puissance 4, et le nombre qui a joué le rôle de b, oui, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Ça donne a, ça c'est a, au carré, moins 2 fois a, fois b, plus b au carré, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré. Et on simplifie ça. 5x à la puissance 4, le tout à la puissance 2, c'est, oui, c'est 25x à la puissance 8. Ici, je peux réduire par 2. Il me reste simplement 5x à la puissance 4, racine carrée de 3. Racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré, c'est quoi? Oui, c'est 3 sur 4. Maintenant, 4 sur racine carrée de 8, moins 2x à la puissance 6, le tout au carré. Bon, ici, on peut, si vous voulez, simplifier cette expression mathématique. Bon, 4 sur racine carrée de 8, c'est 4 sur 2 racine carrée de 2. La racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2. Moins 2x à la puissance 6, le tout au carré. On peut réduire par 2, ça donne 2 sur racine carrée de 2. Moins 2x à la puissance 6, le tout au carré. Et encore, on peut simplifier 2 sur racine carrée de 2. C'est-à-dire 2 racine carrée de 2 sur 2. Moins 2x à la puissance 6, le tout au carré. Bon, ici, je peux réduire par 2. Ça donne racine carrée de 2, moins 2x à la puissance 6, le tout au carré. Maintenant, je vais appliquer l'identité remarquable numéro 2 pour bien sûr développer cette puissance. On sait que a moins b le tout au carré est égal à a au carré moins 2ap plus b au carré.
Et le nombre qui a joué le rôle de A ici, lui c'est racine carrée de 2. Et le nombre qui a joué le rôle de P, lui c'est 2x à la puissance 6. Donc cela donne racine carrée de 2 au carré moins 2 fois racine carrée de 2 fois 2x à la puissance 6 plus 2x à la puissance 6, le tout au carré. Racine carrée de 2 au carré, c'est 2, moins 2 fois racine carrée de 2 fois 2x à la puissance 6, c'est 4 racine carrée de 2x à la puissance 6, plus 2 au carré, c'est 4, x à la puissance 6, le tout à la puissance 2, c'est x à la puissance 6 fois 2, c'est 12. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur de l'ATFM2 du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.